plus qu'un seul chiffre et on va pouvoir goûter un morceau d'histoire. Ça y est! Oh, c'est magnifique. Il a l'odeur d'un ordinateur trempé dans du chocolat. Bon, il faut qu'on programme un goût. Je propose chocolat dindé wasabi. Ouh, ce sera comme fêter Thanksgiving au Japon. Téléchargement d'un goût délicieux. Surveille la porte, dis-moi si quelqu'un vient. J'ai pas envie d'aller aux toilettes. Fais un effort, il n'est pas question de faire pipi dans la pâte à cookies. Je t'attends ici avec Max et Nora. Max et Nora? Voilà, notre Thanksgiving japonais est fichu. Phoebe, je sais ce que tu crois. Que t'es qu'un tricheur et que t'es venu voler notre cookie? C'est exactement ça. J'arrive pas à y croire, ça devait être une belle journée entre un frère et sa sœur. Et ça l'est, pour moi et Dora. Nora. Nora. Max, c'est bon, repose-le. Sinon quoi? Sinon ça. Merci beaucoup. Elle m'a gelé et a volé le cookie. Ouais, et t'as eu l'air d'un idiot. Allons-nous-en. Maintenant, c'est elle qui a l'air idiote. Je l'ai. Emballé, c'est pesé, messieurs, dames. T'es pas drôle, Phoebe. Si, elle est drôle. Et elle est aussi célibataire depuis peu. T'en fais pas. Je vais ranger ça et vous laisser partir pour ne pas qu'on ait d'ennuis avec Madame Biscuit. Qu'est-ce qui se passe ici, nom d'un sucre d'orge avarié? On peut tout vous expliquer. C'est pas la peine, voleur de cookies. Je vais vous mettre des tartes en pleine poire. Est-ce que cette femme de 130 ans est en train de leur coller une grosse raclée? On dirait, oui. On devrait s'en mêler. Oh, c'est bien, mamie, cognez plus fort. Même si on n'était pas ligotés, je resterais pour regarder ça. Oh, tourne-toi, je veux voir. Ça vous dirait pas d'appeler la police et de nous mettre en prison comme une grand-mère normale? Non, désolé, je préfère faire ça. Ok, Nora, j'ai un plan pour nous libérer et voler le cookie. Et très bien, c'était mon plan. C'est pas vrai, ça sert à quoi ce truc? C'est pour casser des idiots. Salut, Cookie. Tu seras bientôt dans mon petit ventre. D'autres y sont déjà, mais je les aime moins que toi. Tu vas le manger ou l'embrasser? Mamie Biscuit, non! Nora, il y a quelque chose qui m'ennuie. Ouais, t'as oublié de prendre du lait. Non, c'est juste... Ces deux-là voulaient passer du temps ensemble, mais à cause de nous, ils se font écrabouiller le cornet par une spatule géante. Laisse-les souffrir. Wow, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pour ça qu'on traîne jamais ensemble. On se tire tous les deux vers le bas. C'est vrai. Ça fait tellement mal, au secours! On devrait peut-être les aider. Ouais. Mamie Biscuit, attendez. Vous écrasez des innocents, c'était nous, les voleurs. Nom d'une crêpe au sucre, c'est quoi cette histoire? On a voulu voler le cookie parce qu'on était jaloux de leur victoire. C'est nous les coupables. Oh, votre honnêteté est aussi rafraîchissante qu'un verre de lait après un cookie taco. Vous avez vraiment un cookie taco? Avec ou sans guacamole. Et ça vous dirait d'arrêter d'écraser nos organes? Je suis désolée, Billy. Finalement, cette journée s'est mal passée. Quoi? Tu plaisantes? J'ai eu l'honneur d'être choisie pour me faire casser la tête par Mamie Biscuit. Oui, ça m'a fait plaisir. D'être choisie, pas que tu te fasses démolir. Viens là. Oh, et moi aussi, je vous remercie. J'avais pas cogné quelqu'un comme ça depuis des années. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression de retrouver mes 90 ans. Dites, comme on a quand même gagné le concours, vous allez nous laisser goûter votre smart cookie? Oui, et vous pouvez télécharger le goût de votre choix. Billy, vas-y, choisis un parfum. Ok. Téléchargement d'un goût délicieux. Voilà, prenez-en tous un morceau. Oh, c'est délicieux, je suis sûre que vous allez adorer.
Des croquettes pour chat. Je crois qu'elle est folle, cette petite fille.